Alors Yannick, d'abord bravo pour ton premier titre ici à Lille. Ça va te faire quelque chose, toi qui joues les interclubs justement à Lille, de gagner ici? Ouais, ça fait toujours plaisir parce que je voulais bien une fois gagner le tournoi parce que j'avais fait 3 fois demi-finale déjà ici et ouais, comme je suis un peu chez moi à la maison ici, je voudrais bien une fois aller au bout et je suis content que j'ai fait cette année. Donc, ouais, je suis content de mon niveau aussi cette semaine, c'est bien. Tu n'as pas perdu de tête en fait, tu as vraiment bien joué, donc il n'y a aucun de tes adversaires qui est arrivé à ta hauteur. Non, mais bon, ouais, comme je dis, c'est parce que j'ai réussi à avoir un très, très haut niveau et bon, c'était pas toujours aussi facile que le score se dit peut-être, donc je devais tout le temps rester concentré et ouais, j'ai fait mon boulot et ouais, je suis très content. Donc quand on s'était vu après ta défaite en finale au stand, tu avais dit que ton objectif c'était à la fin de l'année de retrouver le top 250. Finalement, t'es plus très loin. Ouais, voilà, donc c'était l'objectif maintenant, aussi pour les qualifications de Roland-Garros et Wimbledon bientôt, donc je dois encore prendre quelques points, mais si je continue comme ça, j'ai encore quelques semaines, donc c'est encore 2 mois avant le 14, donc je vais m'entraîner encore une semaine maintenant, là, et après je relance sur les tournois, donc j'espère que je peux encore gagner quelques tournois, et comme ça je suis bien pour Roland et pour tout l'été après. Tes objectifs pour cette année, c'est rentrer dans les qualifs des grands chelems ou si on a d'autres en plus? Pardon? Tes objectifs pour cette année? Oui. C'est gagner des tournois, c'est plutôt rentrer dans les grands chelems? Je vais quand même faire tous les qualifs des grands chelems maintenant et jouer des plus grands tournois après. Donc les futurs, c'était bien pour me mettre en confiance et gagner des points et de nouveau monter dans le classement. Mais après, je vais faire les gros tournois. Quoi. Donc, c'est ça l'objectif. Et donc c'est quoi la suite du programme? C'est repos maintenant ou tu veux... Ouais, je me repose 1 ou 2 jours et après je m'entraîne de nouveau. Et puis à Poitiers, sur le programme déjà sûr. Et après je dois voir un peu avec mon nouveau classement où je rentre. Mais le but c'est de faire de prendre encore des places pour Roland pour être sûr. Et après de faire les challengers et les qualifs des grands chelems et des grands prix. Revenons un petit peu au match, qu'est-ce que tu penses qui a été la différence aujourd'hui parce que tu as quand même dominé nettement? Je pense que j'ai joué très agressivement, donc je l'ai pris chez la gauche et je n'ai pas donné trop d'occasion pour entrer dans le match, donc j'étais dessus du début du match et puis à 4-0 peut-être qu'un peu déconcentré mais après je me suis j'ai du coup fait mon meilleur niveau et le score c'était assez facile, mais bon, comme j'ai dit, je devais quand même rester tout le match concentré et bien joué parce que je sais que ça peut être très dangereux. Ok, espérons que ce premier tournoi remporté cette année va soit le début d'une longue série, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci beaucoup Yannick.